de fouilles étaient entrepris en vue de l'édification d'une zone industrielle, à 1,50 m sous terre, des ouvriers font une découverte exceptionnelle. Un site préhistorique qui changera complètement notre vision des peuplades de cette époque. Ils trouvent en effet des vestiges d'un village d'une dizaine de maisons et les traces de vie et de mort laissées par une peuplade de Rubanais, de simples éleveurs-cultivateurs réputés tranquilles. Une fosse retient particulièrement l'attention des archéologues. Elle contient 300 000 pièces d'os d'animaux, d'ossements humains disloqués, brisés et disséminés dans un véritable chaos, des poteries fracassées et des bijoux abîmés. S'agit-il de sépultures ou d'un culte inconnu? Il s'agit en réalité du témoignage macabre d'actes de cannibalisme d'une population considérée jusqu'alors comme pacifique.